Bonjour, on nous pose souvent la question de savoir quelle est la différence entre Brix.co et un investissement immobilier au travers d'une SCPI. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous investissez dans une SCPI, vous investissez dans un fonds d'investissement dédié à l'immobilier. Donc vous investissez dans une société. Donc vous allez donner de l'argent, disons 1000 euros à cette SCPI, en échange d'actions de la société. Le gestionnaire de la SCPI va gérer toute sa stratégie. Donc vous êtes complètement passif au sein de la SCPI et vous n'avez pas du tout votre mot à dire sur les immeubles qui vont être achetés au niveau de la SCPI. Sur Brix, comme on a déjà vu que juridiquement on travaillait d'une autre façon, une façon qui était innovante, en fait quand vous allez sur notre plateforme, on va vous présenter des offres d'investissement, donc des immeubles dans lesquels vous pouvez investir. Et vous avez la possibilité d'investir ou non. On ne vous y oblige pas du tout. Donc, par rapport à l'argent que vous avez mis dans votre portefeuille, on reprend nos 1000 euros d'exemple, vous allez pouvoir les répartir sur une dizaine de propriétés. Mais c'est vraiment vous qui choisissez les propriétés dans lesquelles vous investissez. Donc, en fait, c'est vous qui êtes maître de votre stratégie d'investissement et de votre diversification. Donc, par exemple, vous allez vouloir décider d'investir plutôt dans des grandes agglomérations parce que ça va vous rassurer. Donc, on n'aura pas forcément beaucoup de revenus qui seront reversés tous les mois liés au loyer. Mais par contre, le prix de l'immeuble et donc le prix de la brique va augmenter parce qu'on est dans des villes qui sont plutôt dynamiques. A contrario, un ami de la famille, un voisin, va pouvoir avoir une stratégie qui est différente, qui sera plutôt l'investissement dans des périphérie des grandes agglos ou en province. Et dans ce cas-là, ben, les loyers reversés tous les mois seront très importants, mais la valeur de l'immeuble et donc la valeur de la brique ne vont pas augmenter très rapidement. Donc en fait, on peut vraiment, avec Brix.co, créer sa stratégie qui nous ressemble. Et ce côté actif, vous ne le retrouvez pas du tout dans les SCPI. Ça, c'est le premier point essentiel à retenir. Et le deuxième point, comme on en a déjà parlé aussi dans la vidéo sur le modèle juridique de Brix, vous n'avez pas de droit de mutation à payer lorsque vous achetez un immeuble ou une brique sur notre place de marché. Les droits de mutation, ça représente 5% du montant de la part sur une SCPI. Donc forcément, ça entraîne des frais à l'entrée dans les SCPI qui sont plus importants. Et donc ces frais, bah, il faut les lisser. Et donc le rendement des SCPI au global va être de 4,5 à 5% par an, quand sur Brix, vous allez être à un rendement de 12% avant impôt par an, ce qui est 2,5 fois supérieur. Et dernier point de différenciation entre Brix.co et les SCPI sont investis à 85% sur de l'immobilier commercial ou de bureau, très sujet à crise, est très sujet à variation de prix quand on a des difficultés, notamment en temps de Covid. Brix.co est sur de l'immobilier résidentiel qui est très pérenne dans le temps et qui résiste très bien aux crises, contrairement aux investissements faits par les SCPI. Et cela est possible parce que nous sommes capables d'aller investir dans des immeubles qui vont se situer dans une fourchette de 500 000 euros à 1 million d'euros, ce qu'une grosse SCPI n'est pas capable de faire. Donc, avec Brix.co, nous avons réussi à nous positionner sur de l'immobilier résidentiel, ce que ne pouvaient pas faire jusqu'à présent les fonds d'investissement immobilier. Vous savez maintenant quelles sont les différences entre Brix.co et les SCPI, qui résident en trois points. Le rendement, 2,5 fois plus important sur Brix que sur une SCPI. Le côté actif ou passif, je suis plutôt passif dans une SCPI quand je suis maître de ma stratégie d'investissement sur Brix. Et enfin, la typologie des actifs et des biens immobiliers qui sont achetés, plutôt du commercial sur les SCPI, beaucoup de résidentiel sur Brix.co, et c'est ce qui fait nos différences. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.